Bon, donc moi je suis Anne Ménian, je suis élue conseillère régionale en Provence-Alpes-Côte d'Azur et j'étais d'abord syndicaliste et c'est pour ça qu'on m'a sollicité dans le cadre du Front de Gauche. Et c'est le Front de Gauche qui m'a ramené à la politique, en quelque sorte. J'ai adhéré au Parti communiste l'année dernière, à la fête de l'humanité. Et en écoutant Pierre-Laurent hier, je me disais que vraiment, c'était un choix que je ne regrettais pas. Parce que l'année dernière, quand j'avais adhéré, il m'avait dédicacé son livre. Et hier, en l'écoutant, je trouvais que vraiment, les interventions qu'il faisait me rendaient très, très fière d'appartenir à ce parti. Voilà. Et maintenant, qu'est-ce que vous faites? Vous êtes au Parlement, c'est ça? Je suis au Conseil régional. Mm-hmm. Je suis au Conseil régional. Je préside une commission. Voilà. Laquelle? Je préside la commission Solidarité, Sécurité et Prévention, Services publics, Santé. Oh. Ça fait beaucoup de travail, beaucoup de choses nouvelles, parce que par ailleurs, je suis dans l'enseignement supérieur. Et vous faites quoi comme vous êtes enseignante? Je suis enseignante de communication dans un institut universitaire de technologie. Oui. Voilà. Et quel est votre profil? Vous enseignez quoi? La communication. Ah. La communication. Ou ce qu'on appelle comme ça, c'est-à-dire dans un enseignement professionnalisant, il s'agit d'apprendre aux étudiants, aux futurs salariés, tout ce dont ils ont besoin en termes de communication, écrite, orale, de compréhension du monde aussi, de mon point de vue en tous les cas, de compréhension du monde et du monde du travail, voilà, pour leur vie professionnelle. Donc c'est une formation universitaire professionnalisante, c'est un peu original et c'est assez intéressant. C'est nouveau ça? Non, ça fait 40 ans que ça existe, mais c'est très marginal dans l'université. Oh, je ne l'avais jamais entendu. Bien. Voilà. Merci beaucoup. Au revoir. Je milite, je développe ma pensée critique de réflexion personnelle. Il y a le côté, c'est ça, un peu individuel, où on apprend à réfléchir par soi-même, à pas forcément, bon, que ce soit de droite ou de gauche, on prend les éléments, on essaie de réfléchir à des solutions, on prend pas forcément les solutions que propose le parti ou la JC, pour ceux qui sont à la JC. On a vraiment un effort de réflexion. D'ailleurs, c'est pour ça que le parti à Paris, notamment, et la JC proposent des formations pour aider les militants à se former intellectuellement à la réflexion et puis même à la pratique, c'est-à-dire à l'exercice oral. Parce que bon, bah, quand on parle avec les gens, bah, c'est important de savoir parler, de savoir, entre guillemets, vendre ses idées. Et après, il y a le côté un peu public, le côté un peu face aux gens, où on donne les tracts, mais on sait très bien que derrière, c'est aussi le but d'écouter les gens. Donner un tract, c'est pas seulement donner un bout de papier, c'est aussi essayer de faire en sorte que les gens viennent nous parler, parce que bah, quand ils viennent nous parler, ça nous donne un peu... c'est comme ça qu'on sait ce que veulent les gens, ce que veut le peuple, parce que bah, c'est le moyen qu'on a trouvé pour les écouter, et en même temps pour nous leur donner nos propositions et pouvoir les discuter avec eux pour les modifier, les faire remonter en section, etc. Donc il y a le côté un peu individuel de la pensée personnelle et politique et le côté commun où on apprend à aller vers les gens, à être plus social et à donner de soi. Et concrètement, donc depuis quand tu as adhéré? Alors j'ai adhéré vers 28 avril 2011 à la JC et le 27 juillet 2011 au Parti communiste. Et concrètement, quelle est ta position maintenant pour la suite? La suite du Parti communiste ou... Non, des événements. Ah, des événements. Ben, Monsieur Hollande a été élu il y a quelques mois. Les vacances, c'est une période relativement creuse en politique. Donc nous, ce qu'on a décidé à la JC, c'est principalement d'attendre pour ne pas être des gens qui critiquent de base, pour ne pas être des gens qui critiquent par principe. On attend de voir ce qui va être fait, ce qui fait. Bon, on ne s'attend pas à des miracles, mais pour l'instant, on attend et après, bien sûr, on va... S'il y a des choses de bien faire, on va dire ça a été bien. S'il y a des choses qui ont été mal faites, ce qui a été pour l'instant un peu le cas,
on le dira. Mais on a pour l'instant décidé d'attendre pour ne pas critiquer de base et surtout pour réfléchir à nos propositions parce que bah, c'est bien beau de critiquer, mais il faut proposer derrière. Et les jeunes socialistes, vous avez des contacts avec eux pour les, socialistes pour les gagner à votre cause? Non, pas vraiment. Bah, maintenant, les jeunes socialistes sont quand même l'organisation jeune politique les plus proches du pouvoir. Mm-hmm. Donc c'est dur. Enfin, moi, je connais une personne enfin, comme ça qui a adhéré aux jeunes socialistes après l'élection. Donc c'est vrai que nous, on a un peu cette vision des jeunes socialistes un peu opportunistes qui ils sont là parce qu'ils bah, sont au pouvoir et ne vont pas forcément, bah, comme les socialistes, au bout de la pensée pour le changement. Mais si vous travaillez au niveau des idées, vous pouvez les convaincre avec l'évolution des événements? Moi, pour l'instant, au niveau où je suis dans la JC, j'ai jamais vraiment rencontré de responsables d'autres orgas de jeunes politiques. Mais pas des responsables, je parle non, des même les jeunes, normaux. Non, mais même les jeunes, parce qu'en fait, là où je milite, les jeunes, on les voit pas. Donc on est un peu les seuls jeunes politiques, puisque les jeunes UMP ne militent pas. Mm-hmm. Donc moi, de là où je suis, on les voit pas. Donc, t'es où? J'ai eu de la chance, je suis tombé dans le 16e arrondissement de Paris. Mais on a réussi à fonder une section de la JC avec une camarade, on s'est mis à deux. Et ben, là, comme je suis parti parce que je suis ailleurs maintenant, je suis pour l'instant encore le secrétaire de section, mais je dois passer la main à la mi-octobre. Enfin, je veux même passer la main parce que essayer de motiver les autres, qu'ils s'impliquent plus et moi avoir un peu de paix parce que quand on est secrétaire, soit section déjà ça va, mais fédération c'est encore pire. C'est assez pesant parce que il faut mobiliser les camarades. C'est du boulot. Oui, c'est du boulot. Oui. Tu t'appelles comment? Maximilien Azarian. Maximilien. Comment? Azarian. Merci beaucoup. De rien. J'ai fait une année de prépa BCPST, c'est de la biologie. Et finalement, j'ai pas aimé vraiment la prépa, le côté un peu trop cadré et les jeunes qui peuvent pas. C'est trop enquête. Disons, on est en dehors de la réalité. Et donc, je me suis dit, je vais aller à la fac et autant aller à la fac, autant faire quelque chose que j'avais pas pu faire en prépa, c'est-à-dire je fais du droit et de l'histoire maintenant à la fac. Donc, je vais commencer, je recommence à zéro. Bon, j'avais qu'un an, mais. Mais qu'est-ce que tu veux faire à la fin? Pour l'instant, j'en ai aucune idée. Moi, ce qui me passionne, c'est la politique. Et se défendre mes idées, et notamment aussi défendre ceux qui n'ont pas les moyens de se défendre, ceux qui sont opprimés. Donc pourquoi pas être avocat? Puisque il y a beaucoup de problèmes en ce moment, avec notamment le droit du travail. Ça peut être intéressant. Journaliste, pour écrire des articles engagés, ce que j'ai déjà fait dans plusieurs journaux. Je ne cache pas que dans le 16e, ça fait plusieurs fois polémique. Et vraiment défendre sur le terrain, je n'ai pas encore d'idée précise. Bien. Bonjour à tous. Je vous propose que nous commencions cette rencontre que nous tenons maintenant habituellement sur la fête de l'humanité entre Pierre Laurent, secrétaire national de notre parti, que je remercie de sa présence, et puis vous qui êtes de nouvelles et nouveaux adhérents du Parti communiste qui avez fait le choix de rejoindre le Parti communiste sur la fête de l'humanité. Alors d'abord, une chose que je peux vous dire, c'est que vous êtes aujourd'hui, vous n'êtes pas 650 ici, mais 650 personnes, hommes et femmes, ont rejoint sur la fête de l'humanité, à l'heure qu'il est, notre parti. Donc je crois que c'est une bonne nouvelle et que nous sommes sur la voie d'atteindre nos objectifs. Oui, on peut applaudir, je crois, effectivement. Alors, d'abord, je voudrais vous souhaiter la bienvenue dans une période, je ne vais pas beaucoup m'étendre là, mais évidemment que nous sentons tous comme importante. Nous avons ensemble, dans les premiers mois de 2012, atteint des objectifs politiques avec la campagne du Front de Gauche importants. On a viré Sarkozy, on a, disons, créé les conditions du changement, mais on sent bien que ce changement, maintenant, il faut qu'il entre dans la vie. Nous sommes dans une démarche où nous souhaitons créer les rassemblements tout de suite les plus larges
pour que ce changement ait lieu et pour gagner dans la période qui vient les conquêtes sociales pour lesquelles nous avons tous, avec les salariés de ce pays, les gens de ce pays, voté pour battre la droite et effectivement que le changement ait réellement lieu. La fête a déjà résonné de ce climat, de cette mobilisation, avec la bataille que nous menons contre le pacte européen, avec la superbe manif hier des salariés en lutte qui a rejoint la scène centrale. Donc je crois que chacun d'entre nous aujourd'hui, collectivement, on a à voir comment on va pouvoir, avec le Parti communiste, avec le Front de gauche, créer les conditions de ce rassemblement, car nous en avons bien besoin. Je vais, si vous voulez, tout de suite, à propos de Pierre, vous savez qu'il a, d'abord, dans le bulletin d'adhésion que vous avez rempli, Pierre a donné quelques mots, où il dit, nous avons besoin, et venez au Parti communiste avec vos rêves, vos idées, vos combats. Moi, ce que je vous propose, c'est de pouvoir les exprimer tout de suite, de vous adresser tout de suite à Pierre, qui va ensuite pouvoir répondre et engager le dialogue avec vous. Et puis ensuite, vous le savez, Pierre, c'est un des événements de la fête, a publié, vient de sortir un livre qui s'appelle « Et maintenant prenez le pouvoir ». Je crois que c'est le sens. Il s'adresse aux gens, mais je crois qu'il s'adresse aussi aux nouveaux adhérents du Parti communiste. Prenez le pouvoir, apportez à ce parti vos rêves, vos idées, et c'est pour ça que je vous propose tout de suite de vous laisser la parole et d'exprimer ce que vous avez envie de dire au secrétaire national de notre parti. Vous nous avez dit prendre le pouvoir, mais pas sa responsabilité d'un parti, d'un avis politique. Comment fait-on quand on a des élus qui refusent totalement de nous laisser les places pour des intérêts personnels, financiers ou de place? Donnez-moi votre réponse. Merci. Oui, bonjour. On a dans l'Aube à Troyes. On a créé un collectif de solidarité pour les soldes médicales et mes camarades nous ont invités à venir avec nous. Le 28 septembre, on aura un spectacle avec Didier Porte qui vient bénévolement et des artistes locaux. Il y aura un débat, ce sera la nuit puissée lumière. Moi j'ai de Saint-Étienne. Et en fait, j'ai une petite question par rapport au Front de gauche, parce que on est un peu dans la rue, il y a beaucoup de questions, beaucoup de gens qui ne veulent pas adhérer au Parti communiste, ni au PG, ils veulent adhérer au Front de gauche, et savoir si dans l'avenir, ces gens-là pourront adhérer à l'ensemble du Front de gauche. Oui. Monsieur Gilles-Faucher, le département 41 de Blois, Loir-et-Cher. Bon, ce qui se passe au niveau de Blois, la ville de Blois, la consécration, c'est socialiste. Moi, ce qu'il faudrait voir, c'est quand même des élus communistes pour voir un peu les problèmes locaux du département, voir aussi des entreprises qui délocalisent. Et ça, c'est inadmissible, que quand même les élus communistes voient un peu ce qui se passe. C'est tout ce que j'avais à dire. Éric de Quimper, dans le Finistère. J'ai adhéré au Parti communiste en avril dernier, pendant la campagne électorale. J'ai une question à propos de l'écologie, parce que avant d'être au Parti communiste, j'ai fait quelques années, à la fin des années 90, chez les Verts. J'ai quitté les Verts quand je me suis rendu compte que c'était de moins en moins un parti de gauche. Surtout quand c'est devenu EELV. Donc j'ai choisi le Parti communiste parce que je veux un parti vraiment à gauche. Et j'ai une question qui a trait évidemment à mon ancien passé de parti écologiste. Je pense que pour beaucoup de gens, ce n'est pas mon cas, mais pour beaucoup de gens, la vision, les prises de position écologiques du Parti communiste n'ont pas assez de clarté. Est-ce qu'il n'y aurait pas un effort à faire de ce côté-là? D'abord, félicitations pour ceux qui sont là, parce que je sais que la nuit précédente a été pour nous tous assez difficile, ou en tout cas longue, donc j'imagine que vous n'avez pas trop dormi. Et je vais essayer de parler doucement, parce que peut-être que vous pouvez le remarquer, mais j'ai besoin de ménager ma voix si je veux tenir jusqu'à ce soir. Une première chose d'abord,
par rapport à ce qu'a dit Jacques avant de répondre aux questions. Vous êtes, bon là on est quelques dizaines, peut-être plus tout à l'heure, vous êtes très nombreux et de plus en plus nombreux. Je pense qu'en 2012, 650 personnes ont rejoint le parti sur la fête de l'humanité pour le moment, il y en aura beaucoup plus ce soir. Vous êtes 6000 avant la fête de l'humanité à l'avoir fait. Ce n'est pas un courant d'adhésion qui est dû seulement à l'élection présidentielle, puisque il y a eu 1700 personnes qui ont rejoint sur ces 6000 le Parti communiste depuis l'élection présidentielle. Donc le courant d'adhésion a continué. Et je pense que 2012 sera la plus forte année d'adhésion au Parti communiste depuis l'année 2005, qui était l'année où il y a eu une grande bataille contre le traité constitutionnel européen, et qui avait vu à l'époque de très grandes mobilisations et qui avait favorisé aussi ce courant d'adhésion. Au total, je tiens à vous le dire, il y a aujourd'hui dans le Parti communiste, j'ai du mal moi-même parce que c'est pas si simple que ça en fait à chiffrer, mais des gens qui ont adhéré au Parti communiste ces dernières années, 5, 10 dernières années, peut-être que dans l'actif militant du Parti communiste, parce qu'il y a beaucoup de gens qui adhèrent, peut-être que vous êtes les plus nombreux aujourd'hui. Et je tiens à le dire parce que, effectivement, Jacques le disait quand je titre le livre « Prenez le pouvoir », c'est pas seulement « Prenez le pouvoir dans les institutions », c'est d'une manière plus générale, moi, mon appel, c'est « Investissez la politique, servez-vous de la politique, du combat politique, de l'engagement politique comme un moyen de liberté ». Parce que si on veut retrouver la maîtrise sur nos vies, sur l'avenir du pays, sur l'avenir de l'Europe, etc., il faut investir ce combat-là. Et j'ai envie de vous dire la même chose, effectivement, dans le Parti communiste. Et j'ai dit hier, dans une intervention que j'ai faite ici, en recevant toutes les personnalités qu'on invite à la fête, nous avons décidé jeudi au Conseil national du Parti de convoquer le prochain congrès, qui aura lieu du 7 au 10 février 2013, J'espère que ce congrès sera un congrès de mouvement très profond du Parti communiste, dans lequel vous pourrez, à tous les niveaux du parti, prendre toute votre place. Ça, c'est la première chose que je voulais dire. Alors, ensuite, sur les questions, puisqu'il y en a deux sur les élus, je commence par là, je les prends dans l'ordre. La première chose, c'est que le Parti communiste, depuis très longtemps, ça fait partie de ses grandes traditions, a accordé beaucoup d'importance à se présenter aux élections, à avoir des élus, à ce que ces élus soient aux côtés des populations, travaillent avec elles, portent leurs revendications, pour obtenir des changements concrets dans la vie politique. C'était pas évident pour le Parti communiste, parce que le Parti communiste, quand il s'est créé en 1920, dans les motivations de ceux de tous ces socialistes, puisqu'à l'époque tout le monde était socialiste et une partie de ces socialistes, la majorité de ces socialistes ont décidé de fonder un parti communiste en 1920. C'était une de leurs réactions, c'était justement une réaction contre le fait qu'une partie des représentants socialistes et de leurs parlementaires s'étaient fourvoyés dans le soutien à la guerre de 14-18. Donc la première réaction des communistes quand ils sont créés, il y avait à l'égard de leurs élus une forme de réaction. Mais tout ça a bougé beaucoup. Et à partir singulièrement du Front Populaire, où le parti a eu beaucoup d'élus qui ont porté la parole ouvrière et qui ont fait même entrer la parole ouvrière dans le monde politique, dans les institutions, la situation a changé. Et depuis, effectivement, on a toujours attaché beaucoup d'importance à investir les institutions à tous les niveaux. Je l'ai dit hier à l'Agora aussi dans un débat que je faisais. Un des défauts, pour moi majeurs, dont je parle dans le livre, j'y ai même consacré un chapitre, de la vie politique actuelle, c'est que beaucoup trop de gens, y compris parmi ceux qui soutiennent le Front de Gauche, considèrent que le seul moment politique important, c'est l'élection présidentielle. Et ça n'est pas le seul moment politique important, loin de là. D'ailleurs, le fait qu'une partie de ceux qui ont voté pour le Front de Gauche à l'élection présidentielle ne soit pas retourné voter Front de Gauche et se soit abstenu aux élections législatives, nous handicap pour les combats qu'on veut mener aujourd'hui. Parce que pour arracher des lois, on n'aurait pas 10 députés. C'est pas dû qu'à ça, parce que c'est dû aussi à l'injustice du mode de scrutin. Parce qu'avec 11% à la présidentielle,
plus de 7% aux élections législatives, on a 1,7% des députés à l'Assemblée nationale. Donc le scrutin est totalement injuste. Mais si les 4 millions qui ont voté pour nous à la présidentielle avaient été votés aux législatives, on n'aurait pas 10 députés, on en aurait 30 ou 40. Et pour mener les batailles législatives aujourd'hui sur les lois, la situation ne serait pas la même. Donc, ça veut dire une chose très importante, que toute la conquête du pouvoir, c'est une affaire de tous les instants pour nous, dans tous les lieux où ça se joue. Il faut aller prendre sa part, même quand c'est aller la prendre dans des institutions qui sont contradictoires, parce qu'on va se trouver avec d'autres forces dans lesquelles il va falloir se battre et on n'obtiendra pas tout et tout ça. Donc c'est très important et on y attache beaucoup d'importance et effectivement il va y avoir au milieu du quinquennat une série d'élections locales, les élections municipales, cantonales, régionales, les élections européennes aussi. On va investir ces combats totalement avec la volonté de gagner des élus pour le Parti communiste, pour le Front Gauche à Porto. Alors maintenant, ce que je peux dire sur la question que tu poses, comment nous on présente, comment se passent les choses pour présenter les gens aux élections? On a des modes de désignation qui sont inscrits dans nos statuts. On va à un congrès qu'on vient de décider. On va d'ailleurs avoir un débat sur les statuts du Parti communiste, parce que le parti a beaucoup changé, nos statuts commencent à dater, on a des règles de vie qu'il faut qu'on améliore, notamment en matière de démocratie militante, parce qu'on a pris l'habitude, par exemple, de faire des choses qui ne sont pas écrites dans nos statuts. Dans nos statuts, par exemple, le candidat que nous soutenons, que nous présentons à l'élection présidentielle, peut être désigné par ce qu'on appelle une conférence nationale du Parti communiste, qui réunit les délégués de tous les départements. Mais on a décidé déjà depuis deux élections, c'est un vote de tous les communistes qui désigne celle ou celui qu'on soutient à l'élection présidentielle. Et cette forme de démocratie militante, il faut la développer et peut-être qu'on améliorera, enfin peut-être. En tout cas, moi, mon souhait, c'est qu'on améliore profondément les statuts sur ces questions pour renforcer tous ces processus. Mais dans les élections, quelles qu'elles soient, d'ores et déjà dans les statuts du Parti communiste, la décision de présenter... de soutenir un candidat, parce que des fois on soutient un candidat dans telle ou telle élection qui n'est pas membre du Parti communiste, elle est prise par les adhérents concernés par la circonscription, enfin par le lieu où se passent les élections. Et il faut faire respecter ça. Alors il faut le faire au terme de débat. Des fois il se peut que des gens différents, y compris dans le Parti communiste, souhaitent, pensent qu'ils peuvent être candidats, ou des camarades ne sont pas spontanément d'accord sur qui doit le faire. Tout ça c'est normal. Il faut faire respecter, donc je pense que dans le Gard, dont je connais un peu la situation, c'est quelque chose à laquelle on veillera pour les prochaines élections municipales et d'autres. Il faut faire respecter ces processus démocratiques et veiller à ce qu'ils ne soient pas effectivement confisqués par tel ou tel. Évidemment, après, dans les élus qui ont de l'expérience, qui ont déjà été élus, ça compte. C'est toujours un atout, mais on peut aussi avoir des besoins, des volontés de renouvellement. Donc il faut qu'on respecte vraiment ces procédures. Il y a la possibilité, dans le Parti communiste, on appelle la candidature, comme on dit, ceux qui souhaitent se présenter. Puis ensuite, il y a des procédures, et il faudra les faire respecter en toutes circonstances, et on y veillera. Sur ce médical... d'abord, puisqu'on est ici dans une rencontre des nouveaux adhérents, il faut peut-être dire une chose, puisqu'on me l'a dit hier dans les allées de la fête, mais dans ce conflit remarquable mené par les ouvrières de ce groupe médical, je sais que 7 ou 8 des ouvrières qui sont engagées dans ce conflit ont rejoint le Parti communiste, donc c'est bon à... Et c'est d'autant plus courageux, il faut d'autant plus le saluer, que on sait que le combat social, le combat dans l'entreprise, c'est pas évident. C'est dur à tous les points de vue, parce que les patrons ne font pas de cadeaux, parce que c'est difficile de s'exposer, de s'engager. Et il y a beaucoup de gens, je pense, qui pourraient ou qui voudraient adhérer au Parti communiste et qui parfois, soit parce qu'ils ne connaissent pas assez le parti ou qu'ils ne connaissent pas des gens autour d'eux, mais soit aussi parce qu'ils ne sont pas suffisamment entourés de la solidarité autour d'eux, hésite à le faire, parce que c'est pas simple. Donc, je pense que une des forces du Parti communiste,
c'est d'être une organisation humaine, solidaire, fraternelle. Et la solidarité, la fraternité, c'est une des conditions de l'engagement. Parce qu'on vit, on vit dans une société où ceux qui s'engagent sont combattus par d'autres. Et donc, il faut pas, on ne peut pas s'engager si on est seul. Et ça, c'est très important. Et je voulais saluer ça à propos de ce médical. Je ne sais pas si je pourrais être de l'initiative que tu dis, parce que j'ai un emploi du temps assez chargé, mais je vais regarder, parce que de toute façon, je suis allé dans l'élection présidentielle à ce médical. Je n'ai pas pu y aller quand on a organisé l'initiative du parrainage. Et donc, je compte à un moment donné... même si j'ai été dans les opérations de parrainage, mais je compte y retourner à un moment donné, donc je vais regarder si c'est à ce moment-là ou à un autre que je peux y retourner, mais je note ta proposition, parce que c'est important. Et la dernière chose, c'est sur... Non, les deux dernières choses. Ambition écologique. J'ai fait une partie de... Oui, je pense qu'on a beaucoup... On a beaucoup réfléchi à ces questions toutes ces dernières années, et je pense que quand on dit que ce qui est à l'ordre du jour, c'est le développement des logiques capitalistes et c'est l'invention d'un nouveau type de développement humain. Évidemment, on ne fait pas seulement référence au dépassement des logiques d'exploitation capitaliste, mais on fait aussi référence, dans mon esprit, complètement à l'urgence écologique. Et il n'y aura pas de nouveau mode de développement humain qui ne soit pas indissociablement social et écologique. Donc cette dimension-là, il faut que ça devienne, dans ce qu'on entend, dans ce qu'on dit, dans ce qu'on sait du Parti communiste, quelque chose de très fort. Et au congrès du parti, on en a parlé jeudi au Conseil national, je pense qu'il faudra qu'on essaye d'adopter un texte qui dise avec beaucoup de force notre vision de ces questions et de la société, parce que effectivement, il y a un décalage entre, je dirais, notre image ou des idées reçues qui continuent de nous coller à la peau et la réalité de notre projet, de notre réflexion aujourd'hui. Donc il faut faire éclater dans la société la réalité de nos conceptions là-dessus. Et j'ajoute une chose là-dessus, on pourrait en parler très longtemps, mais j'en ai parlé aussi hier et dans l'Agora, parce qu'il y avait dans le débat le nouveau secrétaire national d'Europe Écologie Les Verts, Pascal Durand. Mais nous, puisqu'on porte la question industrielle très fortement, il faut que l'ambition industrielle et écologique, ces deux questions qui sont indissociables. C'est-à-dire qu'on a besoin d'une renaissance productive en France, parce qu'on a perdu 700 000. Mais il faut que, dans cette renaissance, le problème, c'est pas seulement de créer des emplois industriels, c'est de faire monter le type d'industrie, ses objectifs. Voilà, donc c'est tous les modes de production qui doivent être repensés en intégrant totalement la dimension écologique de ce problème. Et c'est, moi je considère que c'est une seule et même question maintenant. C'est-à-dire que si on veut penser la transition énergétique, il faut penser les objectifs de lutte contre la précarité énergétique, de maîtrise des ressources, etc. Et indissociablement, les outils industriels qui vont permettre cette maîtrise-là. Sinon, ça ne marchera pas. Par exemple, Hollande a annoncé ce week-end à la conférence environnementale qu'on va mettre aux normes énergétiques 1 million de logements par an. Très bien, sauf que le problème, c'est qu'on ne sait pas le faire. Enfin, on sait le faire plus exactement, mais on n'a pas ni les emplois, ni les filières, ni les outils pour le faire à la vitesse à laquelle il promet de le faire. Donc si on veut arriver effectivement à rénover 1 million de logements par an, ça veut dire qu'il faut se donner des moyens pour accélérer dans tous les domaines les outils industriels et aussi les outils de services publics, les outils financiers pour pouvoir le faire. Donc il faut qu'on arrive à faire entendre que pour nous ces questions, non seulement on ne s'oppose pas, mais on les pense maintenant, on essaye de les penser comme une seule et même question. Et je pense que c'est une question qui progresse. On a fait de très belles initiatives dans la campagne présidentielle, peut-être pas assez connues, avec beaucoup de camarades des entreprises sur ces questions. Moi, j'étais dans la sidérurgie, par exemple. Il existe un projet très important de nouveaux modes de production de l'acier. Et ce projet est dans les cartons depuis des années, parce que ArcelorMittal ne veut pas investir 1 euro
là-dedans et préfèrent aller produire ailleurs de l'acier moins cher pour le réimporter. Alors qu'on sait qu'en investissant dans la recherche, on peut produire de l'acier différemment et de manière plus intelligente du point de vue écologique. Donc ces combats-là, il va falloir qu'on les porte et qu'on les rende visibles plus fortement. Et enfin, sur l'adhésion directe du Front de Gauche, quelle est la question? D'abord, je veux dire un mot avant ça. Parce que des fois, et c'est normal, ils se posent des questions là-dessus. Pour moi, si on veut avancer correctement et sur nos deux jambes, il faut en même temps continuer à développer, à transformer, à fortifier le Parti communiste, parce qu'on a besoin de cette force qui va rassembler de manière organisée tous ceux qui ont un objectif qui est le dépassement du système capitaliste, parce qu'au fond, l'identité des communistes, à travers tous les tourments de l'histoire, c'est des gens qui n'ont jamais renoncé à cette idée que la vision, c'est d'inventer une société au-delà du capitalisme, qui, on le voit bien, a des limites de plus en plus grandes et fait des ravages de plus en plus importants. Ces gens-là, qui se reconnaissent dans cette idée-là fondamentale et fondatrice de l'élan communiste, qui a démarré d'ailleurs avant la création du Parti communiste français, qui a démarré au milieu du 19e siècle avec le manifeste du Parti communiste de Marx et d'Engels, et avec d'autres choses après, dans la CAMEM, qui était déjà en germe dans certains penseurs de la Révolution française en France. Donc, ce mouvement-là de longue portée, il continue. Et il a besoin d'une force organisée, le Parti communiste. Et en même temps, on a besoin, parce que ce Parti communiste, et c'est effectivement une chose qui a aussi bougé, enfin on a réfléchi sur ça, ne peut pas incarner à lui seul, en tout cas c'est ma conviction, toute l'ambition transformatrice de la société. Il va y avoir, et il continuera d'y avoir dans la durée, des forces de transformation sociale issues de différents courants de pensée, qui ne se reconnaîtront pas dans le seul Parti communiste et qui peuvent travailler ensemble à cet objectif-là et qui peuvent travailler sur des objectifs politiques de transformation plus partiels ou à moins long terme. Donc il faut à la fois le Parti communiste et il faut en même temps une stratégie de rassemblement qui soit toujours ouverte à toutes ces forces-là. Et c'est ça le Front de Gauche dans notre esprit. Le Front de Gauche, parce que ça a fait un peu débat au début de la création du Front de Gauche, dans l'esprit du Parti communiste, c'était pas de faire un autre parti, c'était au contraire de créer un espace politique, une forme de rassemblement politique. C'est pour ça qu'on a dit un front politique et un front populaire qui rassemble ces forces-là et qui reste en permanence ouvert à ceux qui peuvent le rejoindre. Alors là-dedans, dans tous ceux qui le rejoignent, il y a des gens qui ont leur propre parti, le parti de gauche de Jean-Luc Mélenchon, c'est des gens qui sont sortis au début du Parti socialiste, pour venir travailler avec nous, puis qui ont été rejoints par d'autres, eux-mêmes, qui se sont développés. La gauche unitaire, un petit parti qui est sorti du NPA avec Christian Piquet, puis d'autres maintenant petits groupes. Mais effectivement, il y a un fait nouveau depuis l'élection présidentielle, et on s'en réjouit, c'est qu'il y a énormément de gens qui se sont reconnus dans ce combat du Front Gauche, qui pour le moment, pour des raisons diverses, n'ont pas envie de rejoindre un de ces partis, et qui se disent, mais nous, on veut continuer d'être dans l'aventure, parce que ça nous intéresse. Alors, c'est des syndicalistes qui sont aussi dans le combat syndical, qui ne veulent pas aller à un parti. Il y en a aussi, je l'ai lu, beaucoup qui rejoignent les partis, le nôtre ou d'autres, mais il y en a beaucoup qui ne veulent pas. Alors donc, il faut effectivement trouver les formes d'association dans le Front Gauche de tous ces gens-là. Alors le problème, le débat qu'on a sur adhésion directe, pas adhésion directe, c'est que, dès qu'on dit adhésion directe, il y en a qui disent on va faire un nouveau parti. Alors il y en a dans les partis qui sont compris dans l'autre, et dans les autres partis qui disent oui, mais alors si on fait un nouveau parti, que deviennent les nôtres, etc. Or, l'originalité du Front de Gauche, et il ne faut pas, surtout pas l'éteindre, c'est justement cette cohabitation intelligente de plusieurs forces politiques et de gens qui ne sont pas membres des partis. Donc il faut qu'on trouve, il faut qu'on invente un truc qui n'existe pas. Et qui est une forme d'association. Il faut qu'on continue à faire vivre le Front de Gauche comme cet espace où vont collaborer des partis politiques avec leurs militants, et puis les gens qui ne le sont pas et qu'on dit. Donc il faut. Alors ces formes-là, on y réfléchit. Bon, il y en a déjà quelques-unes qui existent en fait.
Il y a des assemblées citoyennes, des associations, des différentes formes qui existent sur le terrain. On a créé nationalement des réseaux sur des thèmes. Par exemple, il y a un front de gauche de la culture qui existe et qui réunit beaucoup d'artistes, de gens engagés dans les milieux de la culture et qui maintenant travaillent ensemble, qui sont dans un réseau qui fonctionne avec Internet, avec les nouveaux outils de communication. Et ça existe dans d'autres domaines comme ça. Donc on est en train de chercher à avoir des formes de structuration qui ne sont pas celles d'un parti, mais qui permettent quand même que ces gens soient en réseau entre eux, dialoguent entre eux, puissent avoir, donner leur avis sur ce que devient le Front de Gauche et comment il vit. Et pour trouver que ça fonctionne, on n'a pas encore toutes les solutions à ça, on est en train de réfléchir. Je pense qu'on aura besoin, je ne sais pas combien de fois, mais en tout cas régulièrement, et ça ne peut pas être seulement le premier rendez-vous qu'on a fait cet été, les estivales du Front de Gauche. Il faut des grands rendez-vous nationaux du Front de Gauche, enfin, c'est mon avis en tout cas. Des trucs très bouillonnants, un peu comme des immenses forums politiques, où pourraient venir tous ceux qui ont envie de participer à la démarche du Front de Gauche, dans des ateliers thématiques, tout ça, qu'on construise des choses ensemble. Parce qu'évidemment, ces gens se disent « Oui, d'accord, on va faire des trucs sur tel thème, mais à un moment donné, nous, on voudrait pouvoir dialoguer avec tous les gens qui sont engagés dans le Front de Gauche. » Et puis, ça va aussi, le Front de Gauche, se construire dans les campagnes. Là, celle contre le traité européen. Probablement que, suite à la manif d'hier, on va faire un mouvement dans la durée pour élaborer des nouvelles lois, des nouveaux droits pour les salariés. On va travailler avec tous les salariés qui sont engagés dans ces batailles dans les entreprises. Et on essaiera de structurer progressivement ça. Je sais bien qu'il y a de l'impatience, alors adhésion directe ou pas, mais on voit bien que si on faisait ça, on aurait l'impression de prendre un raccourci, et puis on sait pas sûr qu'on irait plus vite au but auquel on veut aller. Donc on va prendre un tout petit peu de temps peut-être, quelques semaines, quelques mois, pour trouver les bonnes réponses, mais en tout cas l'état d'esprit, c'est ça qui compte. L'état d'esprit, c'est celui que j'essaye de vous dire en quelques mots. Sur l'agora de l'humanité qui la complète bien et qui dit la parole n'a pas été donnée à l'homme, il l'a prise. Alors ce que je vous propose, c'est de la prendre un petit peu à nouveau. Je vais donc recueillir 2, 3 ou 4 questions supplémentaires et puis nous verrons ensuite comment terminer de façon amicale et conviviale cette rencontre. PCF de l'eau. Pour le 28, si vous venez, si vous pouviez emmener votre ami Jean-Luc Mélenchon avec vous, ça ferait plus de buzz pour les filles. Ma question, moi, ça concerne la politique de sécurité routière. Voir ce que peut apporter le Parti communiste, parce qu'on voit que là, en ce moment, on va avoir les APA, les zones prioritaires de l'air, où des gens vont être exclus des grandes villes. Le contrôle technique que l'État européen va nous mettre tous les ans pour tous les véhicules. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire, nous, au niveau du Parti ? C'est l'Association nationale de défense des malades invalides handicapés. Je ne vais pas m'étendre sur son histoire, mais au départ, elle est née dans la mouvement de 36, et c'était la lutte contre la tuberculose. Et on la voit réapparaître, malheureusement, des foyers infectés dans toute la France, notamment dans le département où nous sommes, pour cause de précarité. Alors, je sais que la Commission nationale santé, puisqu'il y avait un débat auquel j'ai participé hier, réfléchit dessus, mais ça serait bien aussi que le Parti communiste, le Front de Gauche, prenne aussi la notion du handicap, pas forcément lié avec la santé, parce que là, je suis en béquille, mais je ne suis pas handicapé, je suis en situation de handicap. Et donc, la proposition que je fais, c'est qu'effectivement, pour la première fois dans le livre des propositions du Parti, il y a eu un chapitre qui est paru en décembre, sur le handicap. Donc ça serait bien de pouvoir poursuivre cette réflexion. Il y a 5 millions de handicapés en France et à partir de 60 ans, tu n'es plus handicapé, tu es dépendant. Je réfute le mot de terme dépendant. On est en perte d'autonomie. Voilà, c'est ce que je voulais dire. Pierre est modeste. Il a fait paraître un livre qui est paru vendredi. Si vous avez quelques dispositions, il sera à midi au salon du livre pour dédicacer son livre. Alors, au stand des éditions L'Atelier. Voilà, je vais faire un peu de pub, mais
c'est à déguster avec modération. Voilà. Bonjour, Damien Paris, à vos côtés. Vous avez parlé dans votre discours à plusieurs reprises de ces comités, de notre ami, de tant des luttes dans la doctrine, dans notre ami. Vous avez parlé surtout aussi de la force ouvrière qui a fait notre PC. Mais j'ai l'impression que vous oubliez aussi qu'il y a des gens qui sont pas ouvriers et qui sont au PCF, qui ont participé aussi au combat. Okay. Vous parlez de changer les règles du parti, d'apporter toute la démocratie. Donc est-ce que vous allez aussi vous ouvrir aux autres qui ne sont pas ouvriers? Et deuxième chose que je voulais aborder, c'est sur la règle d'or. Moi je pense que quand même, c'est avec cette règle, ça porte le traité européen vers le monde des bisounours, parce qu'il y a quand même des articles qui sont, à mon sens, pires que la règle d'or. L'article 6, si je ne me trompe pas, qui dit que si une partie contractante estime qu'une autre n'a pas respecté les règles du traité, elle peut saisir la Commission européenne. Et donc je pense qu'en focalisant le traité européen sur la règle d'or, je pense qu'on se trompe un peu de combat et qu'on minimise l'impact que va avoir le traité européen sur notre avenir. Oui, bonjour. Là, je m'adresse à Pierre-Laurent. Là. Vous avez parlé des nouveaux emplois, là. Des nouveaux emplois, mais nous, dans le département du Loir-et-Cher, on a des zones franches, au niveau de la localité, surtout de Blois. Là-dessus, il faudrait voir s'il y a possibilité de créer des nouveaux emplois sur ces zones-là. Mais pour le moment, on n'en entend pas parler. Hein. On voit des entreprises qui tiennent debout, mais ils font rien pour recréer des emplois dedans. C'est tout ce que j'avais à dire. Si je vois des doigts qui se lèvent là-bas, peut-être vous attendez de ce parti, quelle place vous pensez y prendre pour que Pierre puisse y répondre là-dessus. C'est Gérard de Maine-et-Loire. Je fais partie d'une association de lutte contre l'illettrisme. Et donc, ce que je vois maintenant, c'est que c'est pour l'éducation. Donc moi je trouve qu'il y a trop d'élèves par classe et donc il va encore se retrouver des personnes qui vont être en situation d'illettrisme. Et donc nous, dans notre association, on n'est pas d'accord pour ça. Et moi mon souhait, ça serait qu'il y a moins d'élèves par classe et que nos prochains enfants ne soient pas comme nous on a été rejetés dans la classe. Et donc avec l'éducation et puis vous, je pense qu'il y a peut-être des choses à faire. Bonjour camarade, j'ai rejoint le Parti communiste il y a maintenant un an, j'en suis très heureux. Force est de constater par contre qu'au Parti communiste il y a énormément de jeunes, ce qui est une bonne chose, et aussi une bonne chose, il y a énormément de seniors. Et donc il y a un trou générationnel au sein du Parti communiste entre les très jeunes et les plus âgés. Comment faire vivre un parti avec cette problématique? On s'aperçoit, et c'est lié un peu à ce qui est dit précédemment, c'est comment on redéveloppe aujourd'hui la formation de nos militants, parce que ça ne passera que par là. Les médias, ils jouent contre nous. Nous, on est une force par un nombre, mais c'est comment on redynamise la formation du Parti communiste aujourd'hui et quel travail on fait sur nous-mêmes, chacun d'entre nous, pour que chaque nouvel adhérent trouve sa place au sein du Parti communiste. Merci. J'ai deux doigts qui se lèvent. Je vous propose de prendre deux dernières questions. Je suis adhérent au Parti communiste depuis 1966. J'ai changé récemment de fédération des Deux-Sèvres. Il se trouve que pour désaccord politique, le secrétaire fédéral m'a écarté de toute responsabilité, a même prononcé mon exclusion du parti. J'ai informé à plusieurs reprises la direction nationale par mail et je n'ai pas à ce jour, nous n'avons pas à ce jour de réponse. Alors j'ai bien entendu, Pierre, tout ce que tu disais tout à l'heure sur les questions de démocratie, il faudrait vraiment que ça puisse rentrer en pratique. Rebonjour, donc toujours Saint-Etienne, je suis agent SNCF.
Nous, on a un problème au niveau du PC. On a des gares maintenant, au jour d'aujourd'hui, c'est des buralistes qui vont délier le train, c'est vrai. Et je voulais savoir, en tant que membre de la partie politique, comment on peut faire pour les moyens qu'on a pour sensibiliser l'opinion publique, qui est au courant de tout ça, comment on peut faire en tant que militant d'un petit. Voilà. Je ne sais pas si je répondrai, je suis sûr même que je ne pourrais pas répondre dans le détail à toutes. Je vais prendre en l'an, ça sera plus simple. Sur la première question qui a été posée, Zappa, contrôle technique, etc. Le problème, enfin là, pour dire une chose peut-être, parce que tout le monde n'est pas au courant, il y a un projet, c'est en train de devenir un projet européen, effectivement, d'imposer un contrôle technique à tous les véhicules, tous les ans. Et en fait, qui est derrière ça, qui est présenté au nom de. Enfin, qui est habillé de préoccupations écologiques, et en vérité derrière ça il y a un lobby de ceux qui veulent pousser à la multiplication de ce marché obligé à la rénovation des véhicules, etc., et qui va pénaliser gravement si on laisse faire. Et ça, ce que je veux juste dire là-dessus, c'est que on sent bien que maintenant la question écologique c'est devenu un enjeu idéologique aussi. Hein. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui parlent de faire de la lutte contre la pollution, etc. Mais il y a aussi des lobbies qui veulent faire de l'argent sur ce marché-là. Et donc il y a toute une pression pour transformer la question écologique par certains lobbies du marché en faire effectivement oui, des marchés, des choses où on va se faire de l'argent. Donc il faut... Il y a des batailles à mener et je pense qu'il faut, s'attacher vraiment à ce que les logiques publiques dominent là-dedans, que le contrôle démocratique domine et résister à toutes ces pressions-là, parce qu'on a bien vu qu'on a fait adopter, même au niveau mondial, des trucs incroyables au nom de l'écologie. Par exemple, les marchés du droit à polluer, c'est quand même un truc dingue. C'est-à-dire que les groupes qui polluent peuvent s'acheter et se revendre des droits à polluer. Et on a maintenant un marché financier qui est un marché du droit à polluer. Et on arrive à se délire qu'un groupe comme ArcelorMittal, qui va fermer la sidérurgie en Europe pour aller produire de l'acier ailleurs et réimporter, est très présent et très actif, le groupe Mittal, sur le marché des droits à polluer. Et se fait de l'argent là-dessus en même temps qu'il mène cette stratégie industrielle. Donc ces questions-là, c'est des questions qu'il va falloir investir en menant des batailles... des batailles nouvelles. Ensuite, tu as posé deux questions très différentes à mes yeux, une sur la tuberculose, enfin, tu as évoqué cette question. Là, on est effectivement, il y a un enjeu énorme sur la qualité de la santé, sur le développement sanitaire de la population, et là, on est face à des risques de dégradation extrêmement graves, et on n'a rien vu si on laisse faire ce qui se prépare, notamment avec les politiques de réduction des dépenses publiques, parce que tout ce qui se passe dans les hôpitaux est déjà dramatique en matière de présence sanitaire sur le territoire. Mais si on amplifiait ces politiques pour laisser en gros tout aux logiques de marché, on irait vers la résurgence de catastrophes sanitaires considérables et la réapparition de maladies. Moi, je suis président du Parti de la gauche européenne. Il faut entendre ce que raconte le camarade grec ou les camarades espagnols sur ces questions, où on a des phénomènes qui n'existaient plus du tout dans ces pays et qui réapparaissent à vitesse grand V avec la destruction de toutes les structures sociales de ces sociétés, parce que c'est ce qui est en train de se passer. Et ça peut nous arriver si on n'est pas mobilisé sur ces questions. Ensuite, il y a une autre question que tu as posée, qui est celle du handicap, qui relève pour moi plus du droit à l'égalité. Il y a effectivement des logiques d'égalité, doivent être des logiques qui sont fondatrices de notre combat. Et il y a à défendre en toutes circonstances ces logiques-là, et pas seulement sur le mode, parce que des fois on a ça de « on va donner des droits à telle partie de la population, à telle catégorie, à telle... » D'une certaine manière, en catégorisant les gens, en les estimant. Ce qui nous motive, nous, c'est l'égalité de droit de chaque citoyen,
et les handicapés, ceux qui sont victimes de handicap, comme les autres. Et il faut faire prévaloir ça, et ça rejoint aussi la question sur l'illettrisme, la question de l'égalité pour nous, c'est ça, en matière notamment d'école et aussi d'emploi, il y a une bataille de chiens pour ne pas, on veut sans arrêt faire renoncer une partie de la population à son niveau d'ambition. Ouais. Il dit qu'il y a 3% de gens qui sont illettrés en France, et on sait que c'est un phénomène. Alors que pourtant le niveau éducatif moyen de la population se développe, c'est un phénomène qui est à nouveau en développement aussi en France, parce qu'en fait, on a une explosion des inégalités. Et si on fait reculer le service public de l'éducation, comme c'est malheureusement un risque, eh bien on va là aussi avoir une amplification de ça, puisque ça se combine avec des logiques de précarisation grandissante. Et là, juste une parenthèse, mais l'engagement politique, l'engagement dans le Parti communiste, mais aussi l'engagement associatif, l'engagement syndical, sont aussi des moyens, souvent pour des gens, de s'extraire de cette logique d'exclusion. Et le Parti communiste, dans son histoire, a été un parti qui a permis à énormément de gens de s'élever comme individus, de s'émanciper, de s'élever culturellement, et la culture au sens large, c'est ça l'émancipation. Donc, je le dis au passage, mais le Parti communiste est aussi un moyen de... un espace pour trouver les moyens de s'éduquer. Sur la classe ouvrière, sur la question que tu poses, je pensais en t'écoutant qu'on a beaucoup reproché au Parti communiste, et pas seulement au Parti communiste, d'avoir un peu abandonné les ouvriers. Et il y a quelque chose d'injuste dans ce reproche fait au Parti communiste, mais il y a aussi quelque chose de vrai. C'est pas qu'on a abandonné les ouvriers, mais c'est qu'on a, pendant des années, on a été sur le recul avec eux. Et la classe ouvrière a pris de plein fouet la crise à partir du début des années 80, sans qu'on soit capable de reprendre l'offensive sur ça. Et moi, je crois effectivement que le moment est venu de reprendre l'offensive. Parce que les ouvriers dans ce pays, on a trop raconté que la France pouvait avoir un avenir radieux et sans usine, ou avec de moins en moins d'usines, sans vraiment produire, que l'avenir c'était les services. On a vu des grands patrons nous expliquer qu'on pouvait faire des grands groupes et une grande industrie sans usine, alors qu'en vérité, toutes ces logiques cachaient des logiques de délocalisation, d'exploitation, de mise en concurrence à l'échelle mondiale des travailleurs entre eux, parce que les mêmes qui nous expliquent qu'il ne faut pas d'usine en France, évidemment vont exploiter les Indiens ou les Tunisiens ou d'autres à bas coût pour nous réimporter les produits. Donc il y a une question majeure sur ça. Et effectivement, la classe ouvrière est au cœur de l'exploitation capitaliste, et son engagement dans le combat politique est indispensable à la bataille d'émancipation fondamentale qu'on mène. Évidemment, ça ne veut pas dire que dans ce combat-là ne sont concernés que les ouvriers, mais leur présence ou leur absence dans ce combat-là, c'est une question fondamentale pour un parti communiste. Et je pense que nous avons raison, moi je crois que c'est juste, de reprendre avec beaucoup de force ce combat-là. Et ce qui est là-dessus, j'y crois vraiment, et ça fait partie des choses qu'il faut qu'on remette au premier plan dans notre bagarre. Et en même temps, tu as raison, le salariat français, ce n'est pas seulement les ouvriers. Il y a même maintenant des millions de salariés qui sont dans des conditions de précarisation, de salarisation quasi identiques à celles du monde ouvrier. Donc, dont les intérêts sont totalement convergents, et il faut que nous, on ait une capacité de dialogue, de rassemblement, de convergence avec tous ces salariés. Et je pense, parce que j'ai eu une discussion avec elle, par exemple, je discutais avec deux camarades qui sont très investis syndicalement à la direction nationale de la CGT et des syndicats CGT de Carrefour. Il y a des bagarres formidables, extrêmement courageuses qui sont menées par les salariés de Carrefour. Il y a eu, je ne sais pas si vous en rappelez, mais il y a un an et demi, à peu près deux ans, une grève nationale des caissières de Carrefour qui était un événement
un événement, parce que syndiquer dans ces grandes entreprises de grande distribution où tous les salariés quasiment en vérité sont d'une certaine manière en situation de précarisation, soit sous forme de temps partiel imposé, soit sous d'autres formes, c'est important donc. Et puis il y a beaucoup d'autres salariés dans tout un tas de conditions, y compris des salariés très qualifiés, qui sont, et des salariés intellectuels qui sont victimes de ces phénomènes-là. Donc il y a aujourd'hui un intérêt convergent de l'ensemble des salariés qui est grandissant, et le Parti communiste doit être le parti de tous ces salariés. Effectivement, il y a beaucoup de travail en la matière. Sur le traité européen, ce que tu dis est vrai, il faut bien mettre en évidence tous les dangers et les mécanismes, tu as raison de le souligner, les mécanismes de sanctions complètement antidémocratiques qui sont prévus dans le traité sont les dimensions les plus graves de la mécanique dans laquelle... Et de ce point de vue-là, je le redis, comme je l'ai dit dans d'autres débats, ceux qui, à gauche, parce qu'ils n'ont pas le courage d'affronter le débat européen, continuent d'expliquer, de minimiser cet aspect-là, et de ne pas en parler, de faire silence sur ça, prennent une grave responsabilité, parce que nous allons nous mettre dans des positions de faiblesse et de dépendance plus grandes encore, alors que toute la question est de s'émanciper des logiques des marchés financiers. Et je crois que ces aspects démocratiques-là, dans la bataille que nous engageons, il faut, tu as raison, ils doivent être soulignés. Et je finis sur les questions proprement, directement sur l'avis du Parti communiste. Je commence par celle-là. Les exclusions, il y a plus que... Dans les statuts du Parti communiste, il n'y a que deux motifs d'exclusion du Parti communiste aujourd'hui. On n'a pas le droit d'exclure quelqu'un du Parti communiste pour des raisons politiques. On exclut les raisons d'exclusion prévues par les statuts. Il n'y en a que deux. C'est si quelqu'un, après que les communistes aient désigné un candidat à une élection, décide de se présenter quand même contre ce candidat, les camarades peuvent saisir ce qu'on appelle la commission des conflits, tout ça pour demander l'exclusion de quelqu'un. Bon, ça, je vais le dire un peu trivialement, pour pas que ce soit le bordel généralisé, parce que s'il y a des règles militantes, si elles sont respectées par personne, en particulier quand il s'agit d'aller se présenter pour les électeurs, bon, même ça, d'ailleurs, je dois dire que on ne le respecte pas toujours, aujourd'hui. Bon. Mais ça fait partie des questions qu'on va débattre. Et puis, ensuite, il y a un autre motif d'exclusion qui est évoqué dans les statuts, qui est le refus de comportements indignes, totalement contraires à nos valeurs. Bon, par exemple, si quelqu'un se mettait à proférer des propos racistes à tort et à travers au nom du Parti communiste, oui, on peut considérer que ça... c'est fondamentalement contraire à nos valeurs et ça peut être un motif. Mais pour le reste, il n'y a plus théoriquement, en tout cas dans les statuts, on a de motifs d'exclusion liés à l'expression de différents politiques contre communistes. Donc quand ça se produit, théoriquement, on peut faire recours contre ça. Théoriquement, ça ne peut pas se produire d'ailleurs parce qu'une organisation de base n'a pas le droit d'exclure elle-même, elle doit le demander au niveau supérieur. Et il y a dans les statuts du Parti communiste, elle existe, une commission des conflits, est présidé par un camarade du Conseil national qui s'appelle Marc Brignol et qui arbitre des conflits éventuels quand ils existent. Mais toutes ces règles de vie, c'est des choses qu'on va essayer de revoir, de changer, de débattre au moment des statuts pour les rendre les plus simples, les plus lisibles possibles et les plus efficaces. Et sur la formation et le trou générationnel, parce que d'une certaine manière, enfin, elles ne sont pas liées, mais un peu quand même. La formation, c'est très important. Moi, ce qui me frappe, depuis le congrès de 2008 du Parti communiste, on fait des enquêtes régulières au moment où nos adhérents, ce qu'ils attendent du Parti communiste. L'exigence de formation vient quasi systématiquement en numéro 1. Et je crois que c'est justifié parce que, pour deux raisons. D'abord, parce que dans la bataille politique, on a besoin de se former, d'apprendre des choses, de trouver des arguments. Et il faut qu'on ait les lieux pour le faire, les moments pour le faire, les moments de formation pour le faire. Et pas seulement il y a dans des batailles politiques ou sur les questions économiques, tout ça, mais je crois qu'on a intérêt sur les questions philosophiques, sur d'autres questions, à s'enrichir de ça, et le travail de formation est nécessaire. Et puis pour une autre raison aussi, et ça me ramène au trou générationnel, c'est qu'on a des choses à se transmettre.
Ça ne veut pas dire que ceux qui arrivent n'ont pas à apporter, à inventer. Mais on a aussi des choses à se transmettre. Une histoire, c'est bien de connaître notre histoire et l'histoire des mouvements ouvriers, des luttes sociales, parce que ça permet de comprendre aussi des choses sur aujourd'hui. Et puis, on a besoin aussi de se transmettre des expériences politiques. Parce que, par exemple, aujourd'hui, on fait le Front Gauche, c'est une expérience unitaire formidable et tout ça, mais c'est pas la première expérience unitaire du Parti communiste. Il y en a eu au moment du Front Populaire, de la Libération, il y a eu la période du programme commun avec les socialistes dans les années 70, et il y a des communistes qui ont beaucoup réfléchi à ça, qui ont vécu ces périodes-là, qui ont beaucoup, qui en ont tiré des leçons, et qui ont des choses très intéressantes à nous dire aujourd'hui, et qui, alors, parfois, ils nous le... Bon, des camarades le font sur un mode qui « Ouais, vous dites ça, mais vous vous rappelez pas qu'on s'est fait avoir comme ça, et tout ça, donc ils peuvent paraître un peu ronchons. » Mais souvent, c'est pour mettre le doigt sur quelque chose auquel il faut qu'on réfléchisse quand même. Donc moi, sur l'histoire de la vie entre générations dans le Parti communiste, je pense que il faut, ce qui compte pour moi, moi, je suis totalement hostile. Autant j'appelle mille fois, comme souvent je dis, aux nouveaux adhérents à prendre le pouvoir dans le Parti communiste, autant personnellement, je suis rétif, je vous le dis, à l'opposition des générations entre elles dans le Parti communiste. Au contraire, ce qu'il faut qu'on travaille, c'est que ça se transmette, que ça dialogue, ça frotte des fois, c'est parfois conflictuel, les habitudes de travail ne sont pas les mêmes. Ça veut dire que les uns et les autres doivent laisser de l'espace aux autres aussi. Et donc pas demander que le Parti communiste continue à vivre exactement pareil, parce que quand on arrive avec ces modes de communication et qu'on est jeune aujourd'hui, on a commencé à le faire. Mais on est aussi un parti qui a une grande expérience et c'est jamais inutile dans la lutte politique, parce qu'on a des adversaires qui en ont beaucoup aussi. Donc il faut qu'on arrive à être intelligent et à se changer sur nous-mêmes beaucoup, à laisser de la place à ceux qui arrivent, et à même à leur donner du pouvoir, je dis, et je pense que on en discutera tous ensemble, puisque c'est les communistes qui trancheront, mais il faut renouveler à tous les niveaux, y compris au plan national, très profondément, la composition de notre direction et tout ça, parce que ce mélange-là ne se fait pas assez, les débats d'aujourd'hui sont plus les mêmes, donc il faut qu'on se renouvelle, mais qu'on le fasse toujours En veillant à entraîner tout le monde dans un mouvement commun. Et je vais le dire comme ça, il y a des camarades qui ont pensé à un certain moment donné peut-être qu'on pouvait changer le Parti communiste contre lui-même et que l'obstacle au changement du Parti communiste, c'était les communistes eux-mêmes. Ils ont été dans le mur. Et parce qu'effectivement, soit les communistes décident de changer tous ensemble, soit on n'y arrivera pas. Donc c'est pas en se faisant la guerre contre les uns contre les autres. C'est en débattant sans concession entre nous qu'on va y arriver. Mais c'est en avançant ensemble. Et l'unité des communistes, et l'unité c'est pas la discipline des communistes. Hein. Moi la discipline est un mot qui fait assez peu partie de mon vocabulaire. Je l'ai dit hier en parlant, j'ai plutôt une culture un peu anarchique sur ça. Ça ne veut pas dire que je suis pour faire n'importe quoi, que je suis pour le bordel et tout ça, pas du tout. Mais je ne suis pas pour un parti qui fonctionne sur le mode disciplinaire, je n'y crois pas, et personnellement, je n'aime pas ça. Donc je ne vois pas pourquoi les autres aimeraient ça. Bon, peut-être qu'il y en a qui aiment ça, mais moi, je n'aime pas trop ça. Donc je ne suis pas pour un parti qui fonctionne sur un mode disciplinaire, mais je suis pour un parti uni. Et donc, pour trouver cette unité-là, il faut qu'on ait une culture du débat, une culture de la conviction, une culture de la mise en commun, du partage de nos expériences qu'il faut qu'on développe en permanence. Si on sait le faire, comme justement on est très divers, et qu'on va on a beaucoup de jeunes, beaucoup d'anciens, et parfois pas assez au milieu, c'est vrai, ça dépend des endroits, et bien ça peut devenir aussi un atout. Mais il faut, je répète, quand il y a trop de trous, il faut, je crois, accepter aussi que les plus anciens, alors acceptent de créer même des espaces s'ils le font, pour que les plus jeunes puissent vivre le parti au rythme et dans les formes dans lesquelles ils ont envie de le vivre. Merci. Merci Pierre.
perdre du ticket pour rejoindre le village du livre où il va dédicacer son livre, qui est disponible là d'ailleurs ici, vous pouvez vous le procurer ici. Juste un petit complément très rapide et chiffré sur ce que disait Pierre sur le trou générationnel. Nous avons, on l'a dit tout à l'heure, 6000 adhésions depuis le 1er janvier au Parti communiste français et 51% d'entre eux sont des hommes et des femmes jeunes de moins de 40 ans et plus de 60% de moins de 50 ans. Donc c'est à la fois ce trou générationnel, on est en train de le combler, et c'est un nouveau Parti communiste aussi qui est en train de se construire et de se transformer. Nous proposons, au revoir Pierre. Je vous propose d'en terminer donc là, et évidemment nous ne serions pas au Parti communiste si une réunion ne se terminait pas par un petit coup convivial à boire auquel je vous invite.